à un moment donné, il y a eu un comportement à risque, comme on dit, et c'est à ce moment-là qu'il a attrapé le virus du sida. Donc, sa vie sexuelle aussi a changé. Il est obligé, quand il a une partenaire, de lui dire tout de suite. Donc, c'est qui perd gagne. Hein. C'est soit, bon, écoute, pas grave, soit, ben, salut. Donc, ça change beaucoup de choses. Et du coup, moi, je sais que j'essaye d'être le plus disponible et le plus proche possible, et puis de l'écouter, parce qu'il a besoin de parler. C'est quelque chose qui rend vraiment super seul. Et il faut surtout pas laisser... Sinon, après, il faut se poser la question, est-ce que c'est un ami ?